Bonsoir Nao. Salut. Merci de nous rendre visite au cœur du Salon de la Musique, sur le stand de la Boîte Noire. Alors, tu es chanteur, guitariste, tu as plusieurs projets effectivement en cours. Là, on est là pour parler de ce projet solo qu'est Nao. Et tu utilises donc d'une manière assez particulière la guitare acoustique. Alors commençons par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as conçu ce projet en solo et comment tu travailles avec la guitare et puis d'autres accessoires? En fait, le principe, c'est d'avoir la liberté, en étant tout seul, de faire ce que tu veux, de construire des espèces de murs du son à partir juste d'une guitare et d'une voix. Donc c'est vraiment la base de ce que j'utilise. Si tu veux, je vais jouer à la fois en acoustique sur la guitare, à la fois en percussif un petit peu. Ouais. Un petit peu en utilisant le pouce, un peu comme de slap, ça. Clairement. Ouais. Et puis aussi avec l'archet pour aller chercher un peu des trucs, des grosses des notes sonorités comme ça, de ça, violoncelle, ouais. Un petit peu dans, ouais, l'esprit. Et pour mettre tout ça en commun, j'utilise un looper, C50, pour pas le nommer, qui va plutôt pas mal pour justement faire monter un peu les couches et varier les ambiances avec un seul instrument, en fait, tu vois, vraiment avec. Avec les guitares, quoi. C'est vrai que la T200, elle s'y prête vachement parce, ouais, qu'elle est assez polyvalente. Ouais, le fait, déjà tous les presets différents, ouais, du studio lag, des presets spéciaux pour l'archet, des presets spéciaux. Ça te rend vraiment des services. Ah ouais, ça me rend carrément apparemment service, le studio lag, il a l'air d'être. Il est vachement bien foutu pour ça, c'est clair. Et du coup, voilà, il y a des sons plus riches en basse, par exemple, qui vont me servir plus à la percu, d'autres avec une égalisation un peu plus particulière qui vont me servir à l'archet. Voilà, enfin, c'est assez. Alors ça, là, donc, tu utilises donc une T200 que tu as un petit peu customisée, comme on dit, pour les besoins de la cause. Mais je sais que tu as rencontré donc Michel Lac-Chavaria lors du Printemps de Bourges. Exact. Et que y aura certainement des aventures qui vont continuer, ouais, tous les deux. Donc on se reverra aussi à cette occasion pour peut-être adapter cette guitare aussi à tes besoins. Quand tu crées donc un morceau avec le looper, etc., dans ton processus de création, comment est-ce qu'il y a un ordre? C'est ça que je veux dire, en fait. Est-ce que tu commences par la percussion? Non, en fait, j'essaye de pas être trop systématique, ouais, parce que c'est vite lassant. Ça dépend vraiment des morceaux. Il y a des titres qui vont être construits vraiment à partir d'une percu à la base, et ensuite une couche de gratte plus rythmique, ensuite une mélodie qui va venir se greffer dessus. Mais ça, c'est vraiment le truc classique. Et il y a des chansons aussi, tu vois, qui vont commencer normalement juste avec guitare-voix, et qui au milieu vont avoir une rupture avec une phrase par exemple qui va rester dans le looper, tu vois, et je vais essayer de faire monter les couches jusqu'à la fin du morceau, tu vois. Je fais pas mal de montées en puissance comme ça, de choses comme ça. Et c'est un exercice quand même relativement périlleux, tu le soulignes un peu, parce qu'il faut être extrêmement précis. Il faut être super précis. Ouais. Alors sur scène comme ça, c'est. L'adrénaline un petit peu comme monte. Non, carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une. Comment tu as travaillé? Parce que il y a du coup le pied est super important, je pense que c'est le pied qui déclenche. Complètement. Donc là, tu as presque un rôle de rythmicien pour être calé. C'est complètement rythmique. Effectivement, le fait d'arriver à tout caler, puis en plus, toutes les boucles, si tu veux, que tu fais, là j'ai trois phrases disponibles, elles font pas toutes la même longueur, donc effectivement, il faut. Rythmiquement, il faut savoir ce que tu fais. Mais à force, les morceaux, tu les maîtrises, tu sais quand ça tombe, ça devient vraiment instinctif en fait. C'est quelque chose qui est donc pour lequel tu t'entraînes avant, où tu restes quand même dans quelque chose de relativement spontané. J'essaie de mélanger les deux, c'est ça le truc. C'est bien me laisser la liberté en live, en fonction de la réaction des gens, tu vois, de pouvoir partir en live, de rajouter des trucs, de faire monter les gros murs du son si les gens sont réceptifs, ou alors au contraire d'aller dans l'intimiste, dans la retenue quand les gens sont plus attentifs. Ça dépend vraiment des ambiances qu'il y a en face. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer sur l'instant vraiment aussi. Voilà. Donc malgré qu'il y ait une machine, on va le dire, qui boucle, on reste dans quelque chose de très spontané. Et il y a aussi le fait que, évidemment, tu fais beaucoup de concerts. Ouais. Alors, pour trouver aussi les dates, je suppose, peut-être que tu peux nous en donner quelques-unes à venir dans les semaines ou les mois qui viennent. Là, si tu veux, ça va être une période un petit peu consacrée au troisième album, où je vais vraiment m'enfermer, un peu hiberner, tu vois, et me concentrer sur la composition du troisième album. Mais bon, il y a eu de belles choses au niveau date. Il y a eu le plus marquant, je pense, c'était le Bataclan là, avec Justin Dozuka. Première partie de fou, c'était blindé, forcément. C'était un moment où il cartonnait vraiment. Et donc, c'était super intéressant, quoi, parce que t'es tout seul sur scène, tu défends ton truc, les gens sont pas venus pour toi. Et voilà, il faut aller les chercher. Quand ça part vraiment en live, c'est terrible. Hein. C'est très bien. C'est un travail assez atypique. Ce qu'on souhaite, c'est aussi suivre le travail qui sera fait avec Michel Lac-Chavaria pour avoir une guitare effectivement adaptée à ta façon très, très atypique de jouer de la guitare, entre autres, parce que là, on a affaire. La guitare se transforme en percussion, se transforme en violoncelle, etc. Exactement. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. C'est cool. Salut.